Bonjour à toutes et à tous. Écoutez bien attentivement ce que va dire Christophe Castaner. À 8h16, vous recevez Bernard Poirette, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Christophe Castaner, bonjour. Bonjour. Manifestation où une maman qui veut amener son enfant chez le médecin se trouve bousculée. Vous avez vu les témoignages qui ont été donnés. Clairement. Elle panique, elle tue une personne. Et c'est en ça que j'appelle à la responsabilité de tout le monde, y compris des usagers de la route. Et je l'ai fait hier tout au long de la journée, en leur disant, faites attention. Ces manifestations désordonnées qui sont organisées dans plus de 2000 lieux en France peuvent vous surprendre. Et quand vous êtes surpris, vous pouvez mal réagir, arriver trop vite, avoir un accident. Mais j'ai appelé à la responsabilité aussi des organisateurs. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Fauvergue. Vous l'avez dit, les conditions d'organisation de ces multiples manifestations se déroulent dans des conditions qui mettent en risque. Qui mettent en risque d'abord celles et ceux qui manifestent. Qui mettent en risque ensuite celles et ceux qui veulent circuler. Et qui mettent aussi en risque, Mesdames, Messieurs, non pas les comportements cirquesques. Je vous rappelle au règlement, Monsieur Lassalle, veuillez immédiatement retirer ce gilet. Parfait, Monsieur Lassalle, ce rappel au règlement sera évidemment inscrit au procès-verbal et vous en subirez les conséquences. Retirez, s'il vous plaît, ce gilet. Monsieur Lassalle. Monsieur Lassalle, s'il vous plaît, allez manifester hors de cet hémicycle. S'il vous plaît. La séance est suspendue. Bien, la séance est reprise. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Lassalle sait par expérience que si le ridicule ne tue pas, moi je pense. Je pense aux deux personnes. Je pense aux deux personnes qui sont mortes depuis samedi. Vous voyez, vous la voyez en énorme, en gros, en trois dimensions, l'instrumentalisation scandaleuse par ce ministre de l'Intérieur. La meilleure réponse que vous pouvez apporter à Christophe Castaner à ces instrumentalisations bidons et scandaleuses, c'est de vous mobiliser, c'est d'y aller, c'est de participer à cette manifestation. Et puis si vous trouvez que les gens y déconnent localement, parce qu'il y a des endroits où ça a été du grand n'importe quoi, c'est une raison de plus pour y aller, pour dire à ceux qui font n'importe quoi, arrêtez de faire n'importe quoi. Oui, nos adversaires, ils existent. Oui, ce sont ceux qui portent l'injustice fiscale et notamment le fait de faire des cadeaux aux plus riches, notamment sur l'ISF, vous le savez. Allez-y pour dire ça. Allez-y pour donner de la vigueur et de la consistance politique à cette mobilisation, parce que ceux qui, par la violence des institutions, par la violence de la politique, infligent des difficultés quotidiennes à des millions de Françaises et de Français, eh ben, méritent qu'on leur renvoie en face un mouvement qui porte en lui une justice sociale. Nous l'avons dit sur tous les tons, nous devons continuer de le dire et de le porter sur le terrain, y compris avec un gilet jaune. Ne lâchons rien.